Pas en même temps. Je m'appelle Louisa, je viens de Berlin et je suis une des cofondatrices de Singa en Allemagne. Avant de connaître Singa, je travaillais déjà depuis très longtemps dans le secteur de migration, intégration, tout ce qui est connexion de gens qui viennent de différents pays. Et j'étais assez mécontente en fait. À l'époque, j'ai été envoyée par quelqu'un chez Singa et je me suis vraiment retrouvée dans un espace où je me suis dit voilà, c'est ce que j'ai cherché depuis très longtemps. J'ai trouvé à l'époque une toute petite association avec quelques fous qui étaient très inspirants. Depuis que j'ai connu Singa, ça fait maintenant plus que 3 ans, ça a changé beaucoup et ça fait plaisir de le voir. Avec Singa, dans l'avenir, je vois qu'on peut justement construire quelque chose de un réseau, un mouvement sur cette nexus entre l'innovation et la migration. Je vois qu'il y a une grande demande là-dessus dans beaucoup de différents pays. Une vision que j'ai, c'est que Singa est en ce moment, en fait déjà, le seul réseau européen basé dans la société civile. Singa peut offrir, a vraiment quelque chose à offrir en termes de créer des connexions entre des groupes de sociétés qui ne se rencontrent normalement jamais et qui n'ont rien à dire l'un à l'autre. Et je pense que c'est une des grandes challenges qu'on va voir dans l'avenir.